est-ce que c'est beau ici? Bien le bonjour, chers amis téléspectateurs, chers amis fins gourmets. Aujourd'hui, pour notre émission culinaire à Göteborg, je vous emmène en balade dans le Val de Vilée. Et là, je vais vous présenter une grande dame, Josiane Sutter, qui a eu plusieurs métiers dans sa vie. Elle était costumière, un pressing à Strasbourg, elle a même travaillé aux impôts. Aujourd'hui, elle vit de sa passion, la cuisine. Il y a quelques semaines, on lui a décerné un prix, maître restaurateur de France. Et Josiane Sutter nous attend là-haut, dans la prairie. Elle est en train de pédaler à sa manière. Derrière notre caméra, on trouve le beau regard d'Emmanuel Gambette et les grandes oreilles sont aujourd'hui d'Olivier Schmitz. Tu es prêt de caméra? Tu viens, on va travailler. Hop, 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 hop. Oh, bah c'est quand même beaucoup plus facile de se tenir à la voiture, hein, même si c'est interdit. Mais en fait, on va chercher Josiane. Elle est là-haut dans les montagnes. Allez, vas-y, Olive, accélère. Vas-y, là, salut, salut. Ouais, Josiane! Oh, André! Salut! Super, salut! Mais qu'est-ce que tu fais là-haut dans la montagne? Ça, je t'ai fait venir assez haut. Wow, c'est dur hein, de monter chez toi là-haut. Ah ben mais oui. Qu'est-ce que c'est beau! Ah, qu'est-ce que c'est beau! Mais les bonnes choses se méritent. Salut, André! Comment tu vas? Je vais bien. Regarde, je te présente notre caméra de l'émission à Göteborg. Le bel appétit. Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je t'ai fait une salopette pour que tu ailles. Avec des petits moutons, des vaches, des salaces. Ben non, la vache, la poule, la biquette. C'est toi qui as fait tout ça. Dis-moi, raconte-moi un petit peu la caméra. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ensemble? Aujourd'hui, eh bien, on va après se donner un pot-au-feu. Mais pour le pot-au-feu, il faut chercher des petites herbes dans la nature et tout. C'est pour ça que j'ai voulu te faire monter ici, puisque les herbes, c'est un peu plus loin. D'accord. Donc, tu vas me tenir le palier. Allez, viens, et moi. Je t'emmène. Viens, on y va. Là, tu as du plantain. Alors ça, le plantain lancéolé, c'est une herbe magique. Tu laisses ça pour toi. C'est Jean Albrecht du vieux couvent de Rhino qui a initié Josiane à observer, à scruter la nature de très près. Elle cueille les herbes dans les prairies et les mitonne avec passion dans ses cocottes. Et quand notre chef de cuisine a un coup de blues, elle s'installe sur un tronc d'arbre en pleine nature. Séquence émotion. C'est ici que je viens de me ressourcer, me remplir d'énergie. Est-ce que tu veux me dire que tu es malheureuse de temps en temps? Non, je ne suis pas malheureuse, mais j'ai besoin de temps en temps de positivité. Et la positivité, eh bien, tu la trouves dans la nature, dans ces belles choses qui nous entourent, dans les petites plantes que je vois, et puis dans le vent, dans les paysages. Et là, tu as quoi ton livre de poésie? Eh bien, disons, c'est la poésie des clients. Oh, c'est beau. Regarde, je vais te montrer. Je sais pas, je peux te prendre n'importe quelle page. Dis-moi, lis-moi un petit passage. Regarde, une journée de bonheur accrochée au firmament dans une maison du bonheur. Merci de tout cœur pour ce moment hors du temps, affectueusement. C'est magnifique. Tu vois? Et dis-moi, c'est le plus beau des salaires, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? C'est merveilleux. Regarde, aujourd'hui, tu es venu et ben regarde. Mais on est ravis de te rencontrer. Mais oui, mais attends, c'est partagé. Hein, c'est, regarde toute ton équipe et tout. Bonjour la caméra. Il n'y a que des gens merveilleux autour. Vous ne les voyez pas derrière la caméra, mais ils sont bien, je vous le dis. Non, nous ne sommes pas sur les hauts plateaux du Cantal, mais chez notre chère Josiane Sutter à Stège. Avec son gendre Manou, il possède un cheptel de 56 vaches aux robes à cajou foncé. Les salaires se ressemblent à des peluches ébouriffées emmanchées de longues cornes. Alors dis-moi Josiane, ces vaches ont un peu la même couleur de cheveux que toi? Oui, eh bien, je pense que c'est mon gendre qui aimait bien la couleur rousse. Hein. Ouais. Et lui voulait sortir un peu des habitudes des Vosgiennes et tout. Il avait découvert ses vaches, les salers. Et la chambre d'agriculture l'a bien aidé pour lancer son élevage il y a une dizaine d'années maintenant. C'est une des meilleures viandes qui soit. Et comme lui a décidé de faire un élevage bio, eh bien, son choix s'est porté sur la salers. L'élevage n'était pas rentable, d'où sa demande d'associer l'auberge à la ferme pour mettre en valeur cette viande exceptionnelle. Tout à l'heure, quand tu vas goûter ton pot-au-feu, on sentira la différence de cette viande par rapport à une... Pour quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui aime les viandes, oui, on va avoir. Toute façon, c'est une viande qui a du goût. Par rapport à d'autres viandes et tout, les pot-au-feu, on dit, ils sont tous les mêmes. Et maintenant, tu verras qu'il n'est pas le même que les autres. Elles te connaissent, hein? Ouais,
Et dire qu'après tu vas les cuisiner. Ouais, ça n'est pas. Oh, comme ils sont mimi, les Sutters, dans notre Goldische Rome. Alors, t'es là, Josiane? Waouh, il est magnifique ton laboratoire. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait? On est au paradis des saveurs, viens goûter. Waouh, chouette. Bah écoute, d'abord, je vais te remercier pour cette belle salopette, vraiment. Allez, chouette. Super, et puis ce que j'aime, c'est derrière le petit cochon, là. Ça me va comme un gant. Dis-moi, alors là, on a tous les légumes pour le pot-au-feu. Il faut les éplucher, il faut tout éplucher. Donc on a un peu de boulot, là. On a un peu de travail, oui. Qu'est-ce que tu fais, André? Mais non, t'as les fans des carottes qui sont. C'est pour les animaux? Pour les animaux, mais pas le céleri. Ah. Le céleri, c'est pour nous. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça, mais on le met dans le pot-au-feu. Ah, c'est pardon. Du céleri. Ah, d'accord, je savais pas, excuse-moi. Sens un peu. Ah, oui, c'est vrai. Attends, on va mettre ça. Et ça, tu vas le jeter. Non, mais ça, on va le donner au lapin. C'est un crime. Oui, d'accord. Ça, on le donne au lapin. Et ça, on le cuisine dans notre pot-au-feu. On va le mettre de l'autre côté. Allez, on y va. Voilà les légumes, je les pose là. Oui, et maintenant on va remplir nos casseroles d'eau. De l'eau, d'accord. Oui. C'est ici. Oui, c'est ici. Pour le pot-au-feu, il faut mettre l'eau froide. Et on commence toujours à froid la cuisson. Et on met la viande froide. Hop. Là, les poitrines de nos vaches, donc c'est l'élevage bio qui est à côté de Salers. Et ça, c'est de la viande qui a été découpée maintenant déjà et qui est prête pour le pot-au-feu. Comme elle est jolie, cette donc, viande. C'est une jolie viande et il y a pas mal de graisse. Et cette graisse va donner le goût. Le goût, d'accord. C'est vraiment ce qui donne le goût à ça, la viande. Ça, on le plonge, tout ça, on le plonge. Là, on y va. Donne-moi les morceaux. Viande. Et alors, quelque chose qu'il faut absolument mettre dans chaque pot-au-feu, ouais, c'est la queue. Ah, la queue, ça c'est... Comme c'est beau. Allez, poitrine. Regarde, c'est la moitié de la poitrine. Ah ouais. 7 kilos de viande. Ah. Dis-moi, il n'y a plus de place pour les légumes, regarde-moi ça. Tiens. Voilà, tu vois, ça, André, ça, c'est pour la moelle. Ça, c'est les meilleures choses. Il vaudrait mieux les couper en deux, les autres. En deux? Oui. Mais comment tu vas faire ça? Eh bien, c'est toi qui vas faire. Regarde ça. Wow. Bravo. Quel travail, hein. Ah, c'était un beau concert. Hein. Il me va tout à fait bien. Voilà, André, si tu peux ramener les légumes. Voilà. Là, j'ai les oignons avec les clous de girofle qu'on va mettre dedans. Donc, dans le grand, on met nos deux oignons. Là, tu peux continuer avec le poireau. Ouais, le poireau dedans, oui. On peut encore mettre un peu de carotte, là. Là, ce qu'on sent, c'est les oignons que je fais un peu griller parce que ça va me donner un peu une couleur un peu plus dorée à mon potage. Là, ça frémit tout doucement, mais là, ça reste toute la nuit, hein, je crois. Absolument. Toute la nuit, à très petit feu, tout doucement, regarde. Ouais, c'est magnifique. Il y a à peine, ouais. Regarde. Alors, on voit à peine quelques petites bulles. Là, donc, on met les couvercles. Oui, le tien et aussi. Le couvercle, tu le laisses légèrement ouvert. Ah, légèrement ouvert, comme d'accord. Ça, légèrement voilà ouvert, ton secret, là aussi. Voilà, et là, idem. D'accord. Et donc aussi. On laisse et on s'en va tous et les on deux. S'en va. Je suis un vrai petit gourmand, je vois ce que fait la soupe, si elle glougloute, vous venez avec moi. Vous l'entendez la soupe comme elle nous parle, elle frémit. Elle sera certainement bonne demain pour midi. Je peux aller dormir sur mes deux oreilles. Côte Nord, Umdram 6. Allez, on va se coucher. Bonjour caméra. Ah bah, j'attends André maintenant, il faudrait peut-être qu'il vienne. Ah salut, comment ça va? Ça va bien, tu viens dormir? Oh, super, qu'est-ce qu'on a bien rêvé sous tes étoiles là. On a vu toute la Voie lactée. Mais maintenant au travail. Le bouquet. André, là il faudra que tu m'aides, parce que c'est lourd. Non, bah, vas-y, prends. C'est une opération délicate. Oh, quelle belle viande.
qu'est-ce que c'est bon. Tu es satisfaite de ton pot-au-feu alors, Josiane? Mais déjà, l'odeur me plaît énormément. Hein. Ça, c'est vraiment. Tu le sens? Oui, je sens. C'est vraiment de bonnes odeurs. Ouais. C'est de bonnes odeurs. Ouais. Alors, ça, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de servir les légumes qui ont cuit dans le pot-au-feu et de les servir avec le pot-au-feu. Après, je vais rajouter du sel, l'estragon aussi, du gros sel, un peu d'estragon. D'accord. Et du persil. Tu veux que je t'en mette un peu du gros sel? Oui, tu peux mettre. Il faut vraiment que le sel se voit, oui. Oui. Voilà, juste comme ça. C'est comme un petit marchand de sable. Oui, exactement. Bon, bah, Götter, hein, comme on dit dans notre émission culinaire, bon appétit. Et comme on dit de même en alsacien? Krotzophile. 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 On dit aussi apesserin. Apesserin. Ça, tu sais quand même. Oui, ça, je sais. Tout ce que tu fais, tu le fais à fond, tu as envie d'aller vers l'excellence, tout le temps. Oui, je crois qu'il faut viser toujours le plus haut, et puis si on n'y arrive pas, on n'aura pas de regrets parce qu'on a visé l'excellence. Et puis si on s'arrête en route, on sera quand même toujours plus haut que de là où on est parti. Merci beaucoup Josiane, en tout cas on a passé un moment merveilleux avec toi. Et te rencontrer pour nous, c'est dans le Götter, pour notre maison culinaire, c'est des moments magiques de rencontrer des gens comme toi qui pétillent de bonheur. Tu m'accompagnes à mon vélo? Oui, avec plaisir. Josiane, je te dis mille fois merci pour ce bon moment, cette belle salopette. À très bientôt. C'est un peu triste de se quitter, c'est vrai. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Nous, on se revoit très vite pour une nouvelle émission culinaire. Et comme dit le journal alsacien, Tramesses, fête de doux rêves. Salut, à très bientôt. Sois au sage, revoir, au revoir. Super commis. Salut.